Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est là pour jouer aux Sims. Alors, on va jouer aux Sims 3 parce que, la donne Animaux et compagnie, il n'est pas encore sorti sur les Sims 4. Et puis que, de toute façon, nous, on préfère les Sims 3. Parce que, on trouve qu'il est mieux, donc voilà. Donc, on va vous montrer comment ça marche et on va faire des chevaux et tout, et ça va être cool. Allez, c'est parti! Youpi! Ça, c'était de l'intro quand même. Parti! Nouvelle partie. Alors, je connais pas genre un dixième des villes qu'il y a. Donc, on va prendre. Attends. Appaloosa, ça c'est cool, non? Non, pas trop. Moonlight Fall. Oh, c'est joli ça. J'aime bien. Allez, c'est type 1. Petit chargement. Vous en conviendrez, comme on a tous les add-ons, c'est très très long. Bah oui, je veux ça, c'est une glace. Regarde, c'est long, hein. Ah. Alors. Sympa. Petite église. Ça me fait un peu penser à la ville des revenants. Alors, on va commencer par faire une meuf. On va dire que c'est moi, hein, écoute, hein. Allons-y, hein. Avec une majuscule, c'est mieux quand même, hein. Un peu de respect, hein. Voilà. Une femme, donc. Alors, on peut être une créature surnaturelle, voyons. Alors, un humain ou bien un loup-garou, une fée, une sorcière, un génie, un fantôme ou un vampire. Bah, allons-y pour une fée. Parce que c'est cool, les fées. Mais voilà, magnifique. Les ailes, on peut changer les ailes, donc voyons, qu'est-ce qu'on a? Suspense, attends, ça par contre, ça fait chier. Oulala, mais alors c'est très très kitsch ça, hein, c'est ça, sympa. Oh mon dieu, celles-là sont particulièrement ridicules. Ah, je les aime trop celles-là. Voilà, des ailes tati. Donc, verte, hein, voilà, comme ça, vert émeraude aussi. Ensuite, la coiffure. La petite coupe à la M, là, c'est pas possible. Bon, ils vont me faire chier avec le didacticiel, là. Ouais. Comme ça. Alors, il y a plein de nouvelles coupes de cheveux que j'ai pas vues encore. Il y en a beaucoup trop. Genre ça. Voilà, ça nécessite quand même un tuto coiffure. Hein. C'est ce petit effet damier. Et de toute beauté, vous en conviendrez, hein. Voilà. Frankenstein, hein. Ouais. Ah, pas mal. La fiancée de Frankenstein, non, c'est stylé. C'est stylé. Alors, est-ce qu'on a un truc sympa là? Des cheveux longs, genre. Genre ça. Genre ça, c'est très bien. Voilà. Et alors, ce qui est trop cool avec les Sims 3, c'est qu'on peut vraiment tout personnaliser. Mais alors, genre vraiment tout. Ça va pas du tout les sourcils, ma chérie. Non, beaucoup trop épilé. Beaucoup trop... Non, non. Non. Moi, j'ai pas trop de sourcils, hein. Non. Non. Genre comme ça. Le troll. Comme ça, ils sont pas très grands. Voilà. Allez. Je pense qu'on va en venir à la conclusion sans équivoque que ça ne me ressemble pas du tout. Mais c'est pas grave. Petit crop top licorne là, sympathique. Comme il y a beaucoup de fringues. Voilà. Ça rame un peu. J'aime trop mes petites ailes nulles. Trait de caractère. Alors, comment est-ce que tu me définis? À l'aise avec les jeunes. Oui, à l'aise avec les jeunes, mais je pense bien. Y a pas un truc genre avec les animaux? Aime les animaux, voilà. Ensuite. Mais voilà, c'est tout moi, exactement, voilà. Aversion pour les enfants. Ouais, carrément. Création d'arche. Posséder deux chats, deux chiens, deux chevaux, deux oiseaux, deux lézards, deux tortues, deux rongeurs, deux serpents, deux papillons et deux scarabées. Mais écoutez, on y est presque dans la vraie vie. On va mettre ça directement.
Nourriture préférée, faux filet. Ah non, ça par contre, ça va pas être possible. Sushi végétarien, s'il vous plaît. Musique préférée. Musique qui fait peur. Vie sur une île. Comment est-ce que ta musique préférée, ça peut être la vie sur une île? Mais ça, c'est quoi? On dirait une limace. Égyptienne. Y'a pas un truc genre gros métal vénère, non? Rap, onde bah, sonore, je pense que c'est disco, musique rap, peur, hein. Rock. Allez. Musique qui fait peur, merci. Allez, vers ma voix. Non, pas vraiment, non. La première, un peu un trois quarts, ouais. Oupsi, bah inquiétez, on est pas mal. À vrai dire, j'ai jamais créé de chevaux dans les Sims, donc je sais pas trop comment ça marche, je vais un peu découvrir. On va faire Mirabelle. Hein. Alors, Mirabelle, âge, senior, non, quand même pas, adulte, allez. Ah, écoute, la couleur, on est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. Alors, pelage. Non, on est pas mal au niveau de la robe, hein. Non, mais non. Non. Mais voilà, mais exactement, mais c'est ce que je cherchais, mais voilà. Est-ce que t'as déjà lu le livre Le Poney Rouge? Non. Oui, c'est vraiment, c'est une question. C'est le pire livre que j'ai lu de ma vie. Ça m'a traumatisé. Niveau crinière, on est comment? Oh oui, la crinière en brosse est belle. Hein. Alors par contre, c'est très étrange parce qu'il a pas de toupet. Mais bon, en même temps, Mirabelle a la crinière en brosse, donc je sens qu'on va devoir se... On va devoir sacrifier son toupet. Hein. C'est spécial, ça. Hein. C'est... Voilà. Hein. Ouh, et il y a un petit problème d'encolure, là. Elle est un peu fait à l'envers. Hein. Comment dire? Alors, elle a pas une très grande encolure, mais on pourra peut-être pas aller jusque-là. Hein. Voilà, taille de l'encolure, je dirais plutôt large. Longueur de l'encolure, je ne sais pas. Taille du poitrail. Ah mais c'est pas le poitrail ça, hein. C'est quoi? On va pas être d'accord là. Le poitrail c'est ici. C'est pas ça le poitrail. Eh les gars, vous auriez pas eu votre théorie du galop 3, hein. Oula. Ah oui, donc là il est en mode lévrier. Putain, y a un souci, hein. Si votre cheval est comme ça, il faut vite le faire voir par le véto, hein. C'est creusé. Il est pas en bonne santé là le cheval, hein. Ah non. Ah ça va encore, mais non, enfin non. Bon, on va lui mettre un dos normal. Bon, l'encolure ça va pas par contre. Là, il y a un petit souci d'espèce de goitre là, c'est pas terrible. Comment est-ce qu'on peut changer ça comme ça? Ah. C'est ça le problème. Ah oui, d'accord, là il est en mode licorne donc. Donc non, hauteur de front. Non, en mode licorne bis. Il a l'air intelligent comme ça. Cette chanson reste dans la tête, hein. Et ça ressemble un peu, hein. Ça ressemble un peu. Et il a... Par contre, là, ouais. Les pommettes. Qu'est-ce qu'ils appellent les pommettes? Ah oui, mais ça, les gars, c'est pas les pommettes, hein. Ça, c'est les apophyses zygomatiques. Faut être précis, hein. Attends. On va pas être d'accord, là. Les pommettes, c'est mignon. C'est mignon. Oui, t'es triste. Pauvre chérie, on s'occupe pas de toi. De la glace? Non, non, t'as pas de glace. Je vais en chercher une. Oui, bah bien sûr. Va lui chercher un calipo, va. Bon, voilà, écoute, on est bien, là. Ah, il y a du filet. Il n'y a pas de mort par contre, hein. Ils sont en mode mort free, c'est bien. Bien, ouais. Alors par contre, là il faut que ce soit un peu plus. Voilà, ensuite, la selle. Alors, plutôt monoquartier ou plutôt double quartier? T'en penses quoi? Comme toi, non, double. Ouais. Celle-là, elle est sympa, là, celle-là. Voilà. Allez, on part là-dessus. Ouais. Alors, les couleurs de Mirabelle en concours, c'est le rose. La rose. Oui. Voilà, rose, bien pétard, bien kitsch comme ça. Maintenant, on va essayer de faire le cheval le plus affreux de la terre entière. Le moins beau. Ça va être compliqué, mais on va le faire. Comment on l'appelle?
Cyprien, il va être content, hein. Allez, Cyprien. Alors, Cyprien le vieux, bien sûr. Alors, on va lui mettre ça, parce que c'est pas très swag, à vrai dire. Et je dirais, autant partir loin. On va aller faire une mini-encolure. Mini-encolure, genre ridicule, voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, un ventre, bah comme ça, hein, on est obligé. Avec un gros poitrail, parce que du coup c'est un peu bizarre. Un dos, bah tout creux. Une croupe toute grosse. Dans mon ancien centre équestre, ils disaient les chevaux qui avaient une bosse comme ça sur le cul, ils disaient c'est la bosse du seau. Voilà. Donc on va les mettre quand même. Donc le corps déjà il est pas mal, hein. Je tiens à dire que si vous avez un cheval comme ça, se posez des questions. Hein. On va le mettre en mode licorne. Voilà. Oh, alors quoi ? La chute. Non, Shiro, tu mangeras pas de glace. Alors, des grandes oreilles. Voilà, genre comme ça. Oh la vache, il est pas mal, hein. Oh, le pauvre. Oh non. Oh non. C'est pas mal, c'est pas mal. Écoute, vu comme on est parti, je pense qu'il faut assumer le truc, hein, jusqu'au bout. Et je partirai sur un cheval vert. Ça va pas trop dans ma vie, j'ai mangé une mauvaise herbe. Ok. On va lui mettre la boîte dindon, hein. Voilà, on va aller dans le Photoshop... Le Photoshop de la personnalisation canine. Viens de moi, toi. Bon, là, on est pas mal. Beaucoup trop de rose dans cette partie. Ok. Alors, Shiro, t'es comment? Je dirais au niveau de la voix, on est d'accord, hein. Shiro, viens là. Shiro. Shiro, viens. Et voilà. On a fini la famille. La photo. Oh, on est beau. Putain, mais rappelle, elle tire une gueule. Enfin, on en jette quand même. On dirait que l'autre, il me bouffe le bras, hein, quand même, en vert, là. Bon, bah voilà, du coup, on a créé notre famille. Et on va les faire aménager, mais pas tout de suite, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On a encore plein de choses de prévues, parce que on peut créer des centres équestres, on peut prendre des cours, on peut faire des concours internationaux, on peut s'entraîner et tout. Apparemment, ça a l'air trop cool. J'ai trop envie de tester ça. Bye. Allez, ciao, bye bye.